Salut tout le monde, c'est Alex qui est avec vous. Est-ce que vous remarquez quelque chose? Mes mains ne sont pas sur le volant? Eh bien oui. Regardez ça. Autopilote complet. Canada, États-Unis, tout le mois d'avril, on a le droit à l'autopilote au complet. Conduite entièrement autonome, gratuite pour tout le monde. Alors, je voulais vous montrer un peu, vous parler de mon expérience, parce que vous l'avez sûrement déjà vu. Alors, j'en profite pour vous parler de mon expérience. Comme vous voyez, on est présentement sur l'autopilote. On est sur une lumière verte, il attend pour tourner à gauche. On demeure toujours alerte. C'est un autopilote supervisé. Ah, il va y aller. Non, pour le mouiller. En tant qu'être humain, je serais allé. Là, il va y aller. Il n'y a plus personne. Et c'est parti. Donc, de la manière que ça fonctionne, il faut entrer un trajet GPS en premier, parce qu'il faut bien qu'il sache où il s'en va. Et puis après ça, ben là, il agit. Il fait ce qu'on lui dit, il suit le trajet. Là, vous voyez, j'y ai dit de se rendre à un endroit ici. Fait que là, il tourne à gauche, comme ceci. Et voilà. Puis vous voyez, là, en ce moment, on est à la fin de l'hiver, puis même s'il n'y a pas de ligne, ça fonctionne quand même. Fait que c'est très puissant, là, je veux dire, c'est bien, là. Regardez, il n'y a aucune ligne ici, puis il se débrouille. Fait que c'est une des trois parties. Moi, je sépare ça en trois, là, cette chose-là. Il y a le stationnement automatique, il y a le « viens me rejoindre, je veux pas me faire mouiller, neiger », faire venir le véhicule à nous, puis il y a la conduite automatique. Je sais pas pourquoi il ralentit. Parce qu'il est supposé. OK, c'est le. On est arrivé, je sais pas. On est-tu arrivé? Attendez. Ben non, on n'est pas arrivé. Il est supposé tourner à droite ici. Fait que comme vous voyez, c'est pas parfait, hein? Mais je vous dirais que c'est un gros. Là, vous vivez quelque chose en direct. Regardez. Là, il est un petit peu tout mêlé. Regardez, il n'est pas rendu à sa destination que je lui ai mis. C'est pas parfait, c'est ce que j'étais en train de vous dire, mais c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire de voir la voiture se conduire toute seule. Je lui donne une petite chance ici, voilà. Là, il devrait tourner comme un grand garçon à droite. Je sais pas pourquoi il a fait ce qu'il essayait de faire. on sait pas ce qu'il y a dans la tête de la machine. Alors, voilà. Et puis, tiens, là, il nous dit qu'on est arrivé. Tout ça. On peut toujours se mettre en plein écran. Comme ça, c'est vraiment beau là. On voit vraiment tout ce qu'il voit avec ses yeux d'ordinateur. Et puis, c'est vraiment assez exceptionnel. Je l'ai essayé depuis le 1er avril parce qu'on l'a pendant un mois. Elon donnait ça à tout le monde, Canada, USA, du 1er avril au 30 avril jusqu'à la fin du mois. Alors, on en profite tout ça. C'est vraiment quelque chose de spécial. Ensuite de ça, vous montrer où est-ce qu'on active ça. Ce qui s'est passé, c'est que c'est ici dans l'autopilote, ça a apparu. T'sais, avant, j'avais juste régulateur de vitesse, puis assistance au maintien de cap, bêta. Puis là, maintenant, il y a FSD, c'est en anglais, Full Self Driving. Puis, il l'appelle supervisé, donc il n'est plus bêta, il est supervisé. C'est-à-dire que faut toujours être au volant, faut toujours avoir le contrôle. On a les mêmes notifications, veuillez toucher au volant, veuillez montrer que vous êtes là, tout ça. Mais après ça, ben une fois que c'est activé, il suffit de surveiller la machine. Et puis après ça, on peut quand même se relaxer un petit peu. Là. Comme je vous dis, là, je donne un bon 7 sur 10. C'est spécial que vous ayez vu un bug tantôt, justement, je l'avais pas prévu, mais on en a vécu des fois. Mais côté décision, c'est assez intéressant. Côté autoroute, tout ça. Je vous parle des options ici. Alors, comme je vous disais, il y a ça. L'activation, bien ça, tout le monde l'avait reçu il y a quelques mois. Mais il est bloqué à tirer une fois. Donc, par défaut, on l'engage. On n'a pas besoin de tirer deux fois. Puis, je ne peux pas le changer, comme vous voyez. Ensuite de ça, ici, le profil entièrement autonome. Là, il y a trois choix d'agressivité, mais de vitesse décisionnelle, disons. Il y a confort, moyen puis confiant. Moi, je l'ai mis à confiant parce que c'est déjà plus lent qu'un être humain. Vous avez vu tantôt, quand j'ai tourné à gauche, je vous ai dit, « Ah, moi, j'aurais tourné, il y avait de l'espace entre les deux voitures. » Je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo au-dessus parce que j'ai essayé d'ajuster mon angle pour voir le volant et tout ça. Mais bon, il ne l'a pas fait. Mais fait que même à confiant, je trouve ça lent. Fait qu'imaginez à moyen puis à confort. Alors, c'est pour ça que je l'ai mis à confiant.
Ici, ça, c'est pour sur l'autoroute. Donc, quand il change de voie, il y a moyen d'avoir une notification. Moi, j'en voulais pas. Il le fait, puis c'est tout. Sur l'écran, il l'écrit en haut. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ah, je vais changer de voie, là, parce que ça va pas assez vite. Mettons qu'on s'est mis à une vitesse de 120 km/h, puis on roule à 100, ben, il va dépasser la voiture, il va se tasser dans la voie de gauche, tout ça. Pour ce qui est du retour dans la voie de droite, il le fait pas ben, j'ai remarqué. Mais on peut le contrôler en mettant un clignotant. Donc, moi, quand je voulais me retasser, quand j'ai fait des tests sur l'autoroute, j'ai mis mon clignotant et puis il a obéi, il s'est retassé dans la voie. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a comme option? Changement de voie minimaux pour la conduite actuelle. Bon, ça, c'est quelqu'un qui voudrait que ça soit plus mollo, il pourrait cocher ça, puis pendant ce trajet-là, il ferait pas de changement de voie automatique, comme le système le fait. Tolérance automatique à la vitesse établie. Ça, c'est quand on conduit, ici, il apparaît un petit logo, là, je ne peux pas vous le montrer, c'est qu'il va aller à des vitesses plus intelligentes que les limites. C'est-à-dire, si jamais on est sur l'autoroute, la limite est de 100 km/h et que le trafic est dense et que tout le monde roule 120, il va rouler 120 de lui-même, il va prendre la décision, puis il l'écrit même dans le haut de l'écran, je l'ai vu, il écrit... Je suis trafic pour ne pas obstruer mise à niveau de la vitesse au niveau du trafic en cours. Au même titre qu'il va aller moins vite si il pleut, si il neige, s'il voit intempérie, il s'en rend compte, les essuie-glaces sont fonctionnels, il va dire intempérie détectée, je l'ai vécu hier soir, il pleuvait, et puis il nous dit oh, attention, je vais être moins efficace, là, soyez plus alerte, puis je risque peut-être de ralentir aussi. Alors ça, il le fait. Ensuite de ça, le dernier ici, c'est sortie automatique. La sortie automatique, ça, c'est pour, avec l'application sur le cellulaire, je vais vous le montrer tantôt, ce que ça fait. C'est assez incroyable parce que là, il n'y a vraiment personne dans la voiture. Ça se fait sur un terrain privé et puis ça amène la voiture à nous. Donc, mettons qu'il pleut, qu'il neige, qu'il fait pas beau, vous attendez à la porte du commerce où vous êtes. Ça fonctionne seulement sur les terrains privés. Vous pouvez pas faire ça dans les voies publiques. Et puis là, la voiture est stationnée. Eh bien, la voiture va s'en venir vous rejoindre. C'est assez extraordinaire quand quelqu'un croise la voiture, il la regarde avec des gros yeux, disant « Oh mon Dieu, il n'y a personne au volant! » C'est quelque chose. Ensuite de ça, avertissement des limites de vitesse. Ça, c'est mon ancienne configuration. Ça ne change rien avec le fait d'avoir la conduite entièrement autonome. Je l'avais. Ça aussi, pas de différence. Pas de différence ici non plus. Pas de différence ici non plus, puis non plus. Fait que la section spéciale, là, disons, ça arrête à la ligne ici, puis c'est ce qu'il y a au-dessus. Fait que là, je vous ai montré un petit peu la conduite autonome comme ça, en ville, disons, appelons ça en ville. Là, ce qu'on va faire, on va s'en aller sur l'autoroute, puis je vais vous faire une petite démonstration autoroute. Fait que là, je vous montre l'autoroute. Fait que là, on va entrer sur l'autoroute. Voilà, les essuie-glaces automatiques qu'on peut désactiver, il ne pleut pas, c'est parti, fait que là vous voyez, on embarque sur la bretelle, il se débrouille bien, regardez c'est ça, je vous parlais tantôt, Auto Max, là, il va gérer la situation même si la limite de vitesse est 100 km/h, il va se démêler en voyant les lignes, il reprend son chemin, il va mettre son clignotant, il regarde son angle mort, il met son clignotant. Voilà. Vous voyez, il a choisi 115. Ah, regardez ce que je vous disais, ça n'a pas changé. Il faut toujours être présent. Voilà. Il a choisi 115. Pourquoi 115? Je ne sais pas, parce que moi, je roule 120, puis il ne semble pas l'avoir retenu. Fait que, mais je pourrais le bouger. Là. Je pourrais dire, moi, je vais rouler 120. Voilà, etc. Là, j'aurais aimé ça que vous voyez le changement de voie automatique. Il n'y a personne devant moi, malheureusement. Fait que... ça fonctionnera pas. Mais bon, c'est quand même intéressant. C'est pas compliqué, là. Il change de voie, il fait, c'est tout. Là. On va remettre à 115. Là, j'ai mis un petit chemin pour s'en aller sur l'autre autoroute. Là, il va sortir ici. Il a bien fait ça. T'sais, c'est bon, là. Même sans ligne, là, il prend des décisions, tout ça. Là, il va peut-être ralentir. Vous voyez, je suis toujours prêt, hein. Il faut toujours être là. Ah, vous voyez, il a ralenti à 100, là, parce qu'il sait qu'il y a une grosse courbe qui s'en vient. C'est un mélange de caméras et d'informations GPS, hein. Il y a des informations sur la carte et il y a des informations visuelles avec les caméras qu'il voit.
Fait que c'est un amalgame des deux. En passant, je ne l'ai pas dit tantôt, s'il n'y a pas de trajet GPS de configuré, vous pouvez quand même l'activer. Il va aller tout droit, puis c'est tout. Il va tout simplement aller tout droit. Puis si vous mettez votre clignotant, ben il va obéir à la demande clignotant, puis c'est tout là. Mais il va tout simplement aller tout droit. Fait que c'est en ville que là, c'est obligatoire d'avoir un chemin GPS. Sur l'autoroute, vous savez où vous allez, vous pouvez juste le mettre, puis il va aller tout droit. That's it. OK, fait que là, je suis rendu à vous montrer le stationnement automatique. Fait qu'on est dans un endroit privé. Comme je vous disais, ça fonctionne juste sur les terrains privés. Fait que là, vous surveillez ici. Il y a un P qui va apparaître quand il va détecter qu'il pourrait se stationner lui-même. Fait qu'on surveille l'écran. Je rentre dans le stationnement. Oh, voilà, il est apparu. Oh, il y en a vu un à gauche. Oh, il en voit un à droite. Parfait. Fait que là, je vais dire P. Je le veux. Là, il en voit un. Enclencher la marche arrière, j'enclenche la marche arrière et je fais démarrer. Puis là, je touche plus à rien. On va voir s'il est bon. Parce qu'il l'a pas à chaque coup, je vous dis. Même s'il n'y a personne, là, il l'a pas à tous les coups. Vous voyez sur la caméra, les lignes sont très claires. Vous voyez aussi qu'il interprète bien l'endroit. Là, il se ravance le dé. Oh, je pense qu'il va réussir. J'ai mon petit doigt me dit qu'il va réussir. J'ai vu des fois que... Mais c'est long. Hey, imaginez s'il y a des gens, là. Qu'il y avait des gens partout, là. C'est assez long. Ah, là, je pense qu'il va être obligé de se reprendre. Ben, il va... Non, je pense qu'il va réussir. Il va-tu être satisfait? Oui! Hé, hey, c'est réussi! Bravo, monsieur Tesla! Fait que ça a fonctionné. Hey, je suis content du premier coup. Mais comme je vous dis, ça fonctionne pas toujours. Je me suis aperçu que c'est quand les lignes sont trop pâles. Comme je vous dis, on sort de l'hiver ici au Québec. Alors, la peinture des lignes dans les stationnements est moins grande. Alors, c'est peut-être ça qui se passe. Fait que ça fonctionne pour le stationnement. OK. Là, je vous montre ce qui m'impressionne le plus dans les trois choses, disons, qui composent ce truc-là, le FSD, la conduite autonome. C'est quand la voiture vient te chercher, tu es au magasin, puis là, disons qu'ici, c'est notre porte de magasin, puis là, il pleut, puis on n'arrive pas, on veut pas aller à l'auto, puis se faire mouiller. Fait que là, on fait venir l'auto à nous, on lui dit, viens, moi, j'attends, puis je vais, comme ça, je me ferai pas mouiller partout. Je trouve ça assez extraordinaire. Donc, dans l'application Tesla, vous vous souvenez que il y avait quelque chose de nouveau que je vous ai dit qui s'est rajouté, c'est sortie auto. Normalement, il n'y a pas ça quand on n'a pas le FSD, la conduite entièrement autonome. Fait que là, on l'a. Fait que là, vous voyez, il affiche l'endroit où je suis. Et puis, il m'affiche aussi... Ben, moi, je suis le point bleu. Ça ne marche pas pantoute, le dessin en passant. C'est encore une vieille photo aérienne. Mais c'est pas grave. On va s'arranger. Ça devrait fonctionner pareil. On va essayer de le simuler comme il faut. Bon. Fait que là, ce qu'on doit faire, c'est l'auto, c'est la flèche rouge. Et puis, on doit se positionner ici. Moi, je suis là. Mais en réalité, il n'y a pas de sable. Tout ça, là, c'est vraiment... En tout cas, ils ont dû rallonger leur bâtisse. Voilà. Fait que là, moi, je suis ici. Fait que là, je vais lui dire de venir me rejoindre. Fait que là, j'appuie sur « Aller à la cible ». Là, il faut le tenir. Pour vous dire juste avant, les deux flèches... Ça, c'est pour entrer et sortir d'un garage quand l'espace est exigu. Ça permet de descendre la voiture et rentrer l'auto dans le garage. Et puis, vice-versa aussi, sortir l'auto avant de pouvoir monter quand c'est trop serré dans un garage. Voilà, on revient à notre super affaire de faire venir la voiture. Je vais peser sur « Aller à la cible » et regardez bien la magie. La voiture s'en vient. Il n'y a personne au volant. Imaginez qu'il pleut, la pluie battante, puis qu'on ne veut pas se faire mouiller. Et puis là, oh, oh, des fois il fait des folies, c'est pas trop. C'est pas parfait, mais quand je vous dis sur la carte, regardez, lui, il voit quelque chose d'un peu louche.
Et puis là, voyons, c'est quasiment épeurant, je touche plus à rien, puis ça continue de bouger. Voilà, il a décidé d'arrêter. Il y a eu un petit délai, puis ça, mais ça. Bon, voilà. Et puis là, on peut aller à notre véhicule, et puis c'est ça. Comme je vous disais, c'est pas parfait. Regardez, le véhicule est en plein milieu de la voie. Là, s'il y avait d'autres voitures, il pourrait pas passer. Mais écoutez, c'est quand même un beau gadget. Fait que pour ça, je donne 7 sur 10 aussi. Je donne 7 sur 10 à la portion vraiment autopilote. Et puis, je donne, ben, je parle en route, là. Et puis, je donne un 7 sur 10 pour la portion stationnement aussi. Fait que note globale, je donne un 7 sur 10 à ça. C'est pas prêt pour aller se coucher sur le banc en arrière encore, mais ça s'en vient et c'est assez impressionnant. C'est Alex qui vous remercie d'avoir regardé et puis je vous dis à la prochaine. Et j'en profite encore jusqu'à la fin du mois. Merci, Elon!